Ok, donc c'est parti pour la suite du cours sur les catégories. Donc la dernière fois, on avait parlé de transformation naturelle. Et donc, on va continuer rapidement de parler de transformation naturelle. Et je n'avais pas donné la définition de ce que c'est qu'une transformation naturelle. On avait juste regardé des exemples de transformation naturelle. Plus précisément, je n'avais pas parlé encore de transformation naturelle, j'avais parlé d'isomorphisme naturel. Isomorphisme naturel. Mais en fait, de la même façon qu'on peut. Donc, les exemples typiques d'isomorphisme naturel, c'est par exemple E croix F est isomorphe à F croix E si, par exemple, E et F sont des espaces vectoriels. On a envie de dire oui, c'est naturel, l'isomorphisme. Et en fait, on va voir qu'on a une notion plus générale de transformation naturelle. Donc, bah, je vais définir ce que c'est que un isomorphisme naturel. Définition. En fait, la première chose, c'est que on doit avoir. Je vais donner la définition et puis je vais la commenter après. Donc, je considère deux catégories. C et D des catégories. Et je considère deux foncteurs. F et deux foncteurs. Et en fait, une transformation catégorique. Bon, je vais définir directement transformation naturelle. Une transformation naturelle, c'est un morphisme entre les deux foncteurs, tout simplement. Une transformation naturelle, de F vers G. Il faut le comprendre intuitivement comme est un morphisme entre les foncteurs. Donc ça, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle par rapport à un petit peu ce qu'on connaît. C'est qu'on a des morphismes, et maintenant, on a, dans cette catégorie-là, on a une notion de morphisme entre les morphismes. C'est un morphisme de F vers G. Ici, ma transformation naturelle, je vais l'appeler alpha. Donc plus précisément, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, pour tout objet X de C, on a un morphisme que je vais appeler alpha indice X qui va aller de F de X dans G de X. Donc j'ai deux foncteurs, F et G, qui me produisent des objets dans la catégorie D. Et ce que je veux, c'est eh ben, tout le temps un morphisme entre ces objets-là. Donc ce morphisme, vous voyez, c'est un morphisme dans la catégorie D de F de X vers G de X. Donc, on a un morphisme comme ça. Et il faut qu'on ait une compatibilité. Et alors la compatibilité, ça va être que. Alors, je ne sais pas trop, donc je vais l'écrire et ça va venir. Donc, on a premièrement, pour tout objet X, on a un morphisme. Et deuxièmement, je me place dans la catégorie C. J'imagine que j'ai deux objets X et Y avec un morphisme F. Eh bien, j'ai du coup un morphisme F de X vers F de F. Là, j'ai appliqué le foncteur grand F. Hein, un foncteur, c'est bien une transformation entre deux catégories qui m'emmène la catégorie C dans la catégorie D, qui transforme les objets et qui transforme aussi les flèches. Maintenant, je peux aussi l'envoyer par le foncteur G. J'obtiens du coup cette fois-ci deux nouveaux objets G de X et G de Y. J'ai mon morphisme petit f qui est envoyé par le foncteur grand G
vers une transformation entre les objets. Vraiment, un foncteur, ça transporte les objets, mais ça transporte aussi les morphismes entre objets. Et donc, on avait dit qu'on avait pour tout x une flèche alpha x qui me transforme l'objet f de x dans l'objet g de x. Et de même, je vais avoir une flèche alpha y. Et donc, bah, tout ce qu'on demande, hein, c'est que ce diagramme-là commute. On veut que ce diagramme commute. Donc, finalement, bilan, j'ai... Alors, c'est pas DC. J'ai C, j'ai D, j'ai une première transformation, un premier foncteur de F dans G. Ici, l'intuition que je peux donner sur F et G, une intuition possible, c'est d'imaginer que F et G sont des collections d'objets de D paramétrés par la catégorie C. Hein, c'est de la même façon qu'on a deux façons de voir ce que c'est qu'une application. Une application entre deux ensembles, on peut aussi décider de voir, ah bah tiens, mon application, je ne vais pas décider de la voir comme quelque chose de transformatif, mais comme une collection d'objets, une famille d'éléments de mon ensemble d'arrivée indexé par mon ensemble de départ. Donc F et G sont des collections, des familles, on va mettre plutôt, des familles d'objets de D. Paramétré par C. Donc, finalement, j'ai deux collections, j'ai deux familles d'objets de D. Et qu'est-ce que c'est qu'une transformation entre ces deux collections? Bah, c'est tout simplement juste, bah, indice par indice, j'ai une transformation. Et on note ça généralement comme ça. On note ça. Notation, on met ça en double flèche. Ça, et qu'est-ce que c'est que alpha? Eh bien, alpha, c'est, donc, eh bien, c'est une collection, allez, on va mettre ça, une famille, on va mettre ça. C'est une famille de morphismes. Donc, je vais juste répéter ce que je viens de dire. C'est une famille de morphismes, alpha indice x, qui pour chaque élément de ma famille, voilà, transforme l'un dans l'autre, son morphisme, qui font commuter, faisant commuter ce qu'il faut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transformation naturelle. Donc j'ai défini, hein, ici, une transformation naturelle entre deux foncteurs. Et donc, bah, un isomorphisme naturel, c'est juste... Hein... Alors, voilà... Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire qu'il y a un petit fait, c'est que les transformations naturelles se composent. Les transformations naturelles se composent, évidemment. Deux points. Eh bien, si j'ai de catégorie C et D, j'ai un premier foncteur F, voilà, on va l'appeler, bon, allez, H, le troisième foncteur. Et bien, si j'ai ici une transformation naturelle qui me transforme F, les objets de la famille F, en les objets de la famille G, et ensuite les objets de la famille G en les objets de la famille H, et ben on obtient évidemment, hein, ici, ça peut se composer donc alpha puis bêta. On a aussi
Donc là, ça va de F en H. On a aussi, donc ça, c'est le premier point, peut-être. Deuxième point de ce fait, bah, on a une transformation naturelle identique. Hein. Si j'ai F qui va de C dans D, donc j'ai ma famille, eh bien, on a l'identité de F. Okay. Et tiens, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai pas de notation là pour les transformations naturelles entre deux foncteurs. Je regarderai dans mes notes ou dans mon livre de référence. Là, c'est ce bouquin que j'étudie pour enrichir. Enfin, c'est lequel, celui-là ? Category Theory in Context de Emily Reel. Ah, c'est celui-là, oui. Voilà. Principalement, tout ce que je raconte, c'est des choses que je connais et que je vous redonne un petit peu à ma sauce, mais en parallèle, je lis son bouquin et j'apprends des trucs que je vous raconte un petit peu. Et donc, on a un morphisme comme ça, morphisme de foncteur, d'identité bah, qui a simplement, si je prends x dans c, bah, j'ai f de x et je prends l'identité x. Voilà. Et puis, bon, on a toutes les opérations hein, auxquelles on peut s'attendre. Alors, je vais quand même regarder vite fait parce que comment elle note l'ensemble des transformations naturelles. Natural isomorphism. Est-ce qu'elle donne une notation ? L'ensemble des transformations naturelles entre deux foncteurs voilà, que je vais voir, je ne trouve pas rapidement. Voilà, j'y arrive. Moi, je trouve pas. Comme ça, j'ai pas l'impression qu'elle donne la notation pour l'ensemble des transformations naturelles. Ok, bon, on va improviser un truc. Donc, l'ensemble des transformations naturelles d'un foncteur. Donc, j'ai deux foncteurs, j'ai deux familles, je peux regarder l'ensemble des transformations. Ça peut être vide, évidemment, c'est possible qu'il n'y ait pas de transformation. Et notation. On note par exemple eh bien nat de FG hein, l'ensemble ou la collection plus précisément la collection des alpha. Alors ici je vais toujours essayer plutôt de faire comme ça. J'ai mon premier foncteur hein, collection d'objets hein, famille d'objets. Et donc l'ensemble des alpha. On va faire comme ça. L'ensemble des alpha qui sont. Et donc qu'est-ce qu'on obtient ? Hein, c'est un fait qu'on va pas trop utiliser, mais qui est quand même intéressant. C'est que nat f g est une catégorie.
Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est l'ensemble des functeurs. Alors ça, l'ensemble des functeurs, je crois que j'avais donné une notion. Donc, je vais peut-être noter ça fun. Je vais redonner une notation pour être plus sûr. Notation. Donc, C et D, les catégories. Eh bien, on note fun C et D, la collection des functeurs. La collection des functeurs de C vers D. Et donc, on a en particulier, bien que si je prends deux catégories, C et D, je peux regarder en fait la catégorie des catégories. J'avais noté ça 4, je crois. Et qu'est-ce que c'est que la catégorie des catégories? C'est la catégorie dont les objets sont les catégories. Et les morphismes entre deux catégories, c'est les functeurs. Et donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est le fait que, eh bien, si C est une catégorie, et X, Y sont des objets de C, qu'est-ce que c'est que, par définition, on a que l'ensemble des morphismes de X dans Y, ça, c'est un ensemble. Plus précisément, c'est une collection. Mais bon, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà. Par définition d'une catégorie, une catégorie, c'est la donnée pour, tout simplement, c'est la donnée pour tout couple d'objets d'un ensemble, qui est l'ensemble des morphismes. Alors, ensemble, qu'on appelle ça collection ou ensemble, c'est pareil. Eh bien, il se passe quelque chose d'assez particulier dans la catégorie des catégories, c'est dans la catégorie 4, si C et D sont des objets de cette catégorie, IE, si C et D sont des catégories, alors l'ensemble des morphismes dans la catégorie des catégories de ces deux objets, donc l'ensemble IE, l'ensemble des functeurs de ces dendées, est désormais une catégorie. Ça veut dire que G est désormais une catégorie dont les objets sont les functeurs de C vers D et dont les morphismes sont les transformations naturelles entre tels functeurs. Dont les morphismes sont les transformation naturelle entre tel functeur. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Je pourrais en parler beaucoup plus, mais pour l'instant, je vais laisser juste ça. Et je vais juste donner une définition. C'est qu'un isomorphisme naturel, qu'est-ce que c'est? Un isomorphisme naturel, eh bien, c'est simplement une transformation naturelle qui est un isomorphisme dans cette catégorie. Est une transformation naturelle qui est un isomorphisme. Dans cette catégorie. Alors, si on défile cette définition, bah c'est simplement que j'ai deux familles d'objets dans la catégorie D.
Ici, je pourrais limite m'amuser à appeler cette catégorie-là grand I, une sorte de catégorie d'indice. Et la vraie catégorie qui m'intéresse, c'est C. Allez, je vais le faire pour vous. Ce n'est pas très adroit. J'aurais dû prendre des notations dès le début. C'est quand même un point de vue assez osé, mais prenons-le. Hein? Donc, I est une catégorie. I, C sont des catégories. Je décide de voir la catégorie I comme une catégorie d'indices. Mes vrais objets, ils sont dans C, en fait. Et j'ai mes deux foncteurs ici. Donc j'ai mes deux familles d'objets. Je regarde donc une transformation comme ça, alpha, et c'est simplement tel que ben, pour tout i appartenant à grand I, mon morphisme alpha indice i qui va de f1 fi dans g de i est un isomorphisme. Donc un isomorphisme naturel, c'est juste que ben, je me donne un isomorphisme. Un isomorphisme entre mes deux familles pour tout objet. Plus évidemment toujours la commutation, la compatibilité avec la structure de morphisme, la structure de catégorie dans I. Alors, avant que le temps ne soit écoulé, il faut absolument qu'on regarde quand même des exemples pour voir que cette définition matche complètement avec les exemples que j'ai présentés auparavant. Alors peut-être, Eric, est-ce que y a un exemple que tu aimerais qu'on regarde parmi ceux de la dernière fois? Bah oui, tu sais, on parlait de la dernière fois, on avait parlé de l'abélianisé, je sais pas Abélianisé. si c'est comme ça qu'on Allez, l'appelle, et ouais. puis le groupe dérivé, enfin. Exemple, abélianisé. Alors, l'abélianisé, ce qui était compliqué, c'est que moi, c'est un objet naturel, et moi, je parlais plutôt d'un isomorphisme naturel. Ça serait peut-être mieux pour commencer qu'on commence avec un isomorphisme naturel, plutôt qu'avec un objet naturel. Miguel, tu as un isomorphisme naturel. Tu voudrais qu'on voit comment ça matche avec cette définition? Ce qu'on avait vu comme isomorphisme naturel intéressant. Me souviens plus trop. Oui, il faudrait regarder les notes. Il y avait tous les trucs genre E croix F. Il y avait les parties, c'était un isomorphisme avec les fonctions. Et la dérivation, donc celle qui te donne le groupe dérivé, ça ne te donne pas un isomorphisme naturel, ça. Ah, un isomorphisme entre quoi et quoi? Qu'est-ce qui est le groupe dérivé, il serait isomorphe naturellement à quoi? Tu vois? Qu'est-ce qu'on a comme isomorphisme naturel sympa? On peut regarder. On a dit que P de E, on a dit que c'était en bijection naturelle. Avec l'ensemble des fonctions de E dans 0. On va regarder ça. Donc déjà, il nous faut deux foncteurs. On a deux foncteurs. Un premier foncteur que je vais noter P, de E, P, qui va de la catégorie des ensembles dans la catégorie des ensembles. Et qui a un ensemble E associe l'ensemble des parties de E. Okay. Et l'action sur les flèches, ça serait quoi?
Action sur les flèches. C'est-à-dire que si j'ai une application de E dans F, c'est, ça c'est dans la catégorie des ensembles, il faut que j'en déduise une application entre les parties. Donc ça, je vais l'appeler petit f. Et donc, si je prends du coup une partie A de grand E, il faut que je l'envoie sur une partie de grand F. Donc là, naturellement, on pense au poussé en avant. Mais on sait que le poussé en avant, il est merdique. Et que c'est le tiré en arrière qui est beaucoup plus efficace. Le pullback a beaucoup plus de des propriétés beaucoup plus sympathiques que le push forward. Donc du coup, je vais décider de regarder un functeur qui va de la catégorie opposée de la catégorie des ensembles. Autrement dit, je demande à aller dans l'autre sens pour l'action sur les flèches. Et donc, si j'ai une partie B de F, il faut que je... Il me faut une flèche ici, que je... ici, je vais l'appeler F-1. Si, j'ai... si mon functeur envoie l'ensemble E sur un ensemble et l'ensemble F sur un ensemble, il faut que j'ai des liens, et donc ici, bah, ça va être l'application F-1, qui a une partie B associée le tiré en arrière de F, de B par F. Hein, donc bilan, on peut rapidement faire un petit bilan de ça. Bilan, ben, je pars de la catégorie des ensembles, je vais dans la catégorie des ensembles. Si j'ai un ensemble E, et si j'ai un autre ensemble F et qu'une petite application, une application entre les deux, bah, je suis capable hein, de transformer tout ça. Hein, bien, je vais de P de E, P de F, et j'ai une transformation aussi, ici, qui est en fait l'application F-1. Voilà. Donc ça, c'est un functeur. Premier functeur. Deuxième functeur. Donc ça, c'est le premier functeur. Deuxième functeur, eh bien, le functeur qui donc un ensemble E. Alors, on va faire comme je vais de E dans F. À l'ensemble E, j'associe quoi? Ben, on a dit. J'associe l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1. Et à l'ensemble F, j'associe l'ensemble des fonctions de F dans 0, 1. Et ici, il faut que j'ai une flèche qui aille en arrière. Et bah, ça, c'est la précomposition. Non, la post-composition, pas tout simplement. Hein, qui a une application phi. De grand F dans 0, 1. Normalement, ça va marcher tout seul. Ce n'est pas prévu, mais normalement, ça va marcher tout seul. Je précompose. Eh oui, non, c'est la précomposition. Associe F rond phi, qui va de E, puis de grand F, puis dans 0, 1. Donc, c'est bien défini. Donc, on dispose bien de. Et ça, je vais le noter. Ce functeur-là, je vais le noter. Allez, je ne vais pas faire très compliqué, je vais le noter grand F. Donc, on a deux functeurs. Voilà. Eric, tu as encore 5 minutes ou c'est pas possible? Ouais, j'ai 2 minutes, mais pas 5. Si tu remontes un peu ton truc là d'opposer, en fait, je sais, je suis têtu, mais j'aime bien les groupes. Donc, on aurait pu
tu vois, tu prends un groupe, tu peux définir son groupe opposé. Ouais. Et tu vois, où tu changes en fait, enfin, tu le mets dans l'autre sens, quoi, La multiplication, ouais. le AB devient BA. Et puis, et ben ça va définir un morphisme naturel, non? Un isomorphisme entre un groupe et le groupe opposé. Ouais. Ben oui, évidemment. C'est un exemple d'isomorphisme naturel. Un groupe et le groupe opposé sont isomorphes, effectivement. D'accord. Effectivement. Mais de façon naturelle. De façon naturelle. On pourra regarder ça, c'est exemple. Bon, là, j'ai pas le temps de terminer, mais donc maintenant, ce qu'il faudrait vérifier, c'est qu'on a bien, pour tout ensemble E, donc à suivre, on va mettre juste ça comme ça, à suivre, eh bien, si E est un ensemble, j'ai une application alpha de E qui va de P de E dans l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1. Bon, ça, on la connaît bien. Et il va falloir vérifier que les diagrammes commutent. Hein, bon, ça, c'est juste l'application qui hein, a un ensemble, oui, à une partie grand A associée bah, à l'indicatrice. L'indicatrice A. Voilà. Donc, c'est un premier exemple de transformation naturelle et on continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup.